d'aujourd'hui. Il y a des gens qui chantent un médicament, il y en a qui se donnent à l'homosexualité pour avoir du succès. Toi, tu es un ancien, tu es bien placé pour nous donner des éclairages. Donc, si médicament, je ne sais pas, mais si c'est homosexualité, là, en Côte d'Ivoire, pour avoir du succès, je ne sais pas qui va te donner l'argent pour faire ça. Ça, c'est des légendes encore de la musique. Maintenant, je suis mal placé pour répondre à ce genre de choses, parce que moi, je n'y crois pas. Même à l'époque de Duke Saga, il n'y a pas eu des histoires de médicaments dans le coupé décalé. Il faut leur demander. Demande à tous mes amis, là. Ils font semblant, il faut leur demander tous. Ça, c'est les choses qui ne m'ont jamais intéressé. Parce que... Mais ça existe. Je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est venu me dire que j'aimerais faire médicament. En tout cas, lui qui fait médicament. Tu vas faire médicament quelque part. Et puis tu arrives, le gars il est dans une case. Ça lui va changer ta vie. Vous aussi, arrêtez aussi. Bon, en fait, c'est ma manière de voir. À l'époque, c'était les histoires des 36-15. Mais notre époque, tu veux parler de 36-15, le vol avec l'ordinateur, mais c'est pas comment on appelle mais là. Le vol avec l'ordinateur, notre époque, il y avait combien d'ordinateurs? Tu vois, ils nous ont accusé d'avoir changé la population. Il y avait quel ordinateur? Qui pouvait s'acheter un ordinateur? Mais c'était quoi le 36-15? Mais ça, faut demander ça aux autres qui le pratiquent. Moi, je sais pas. Non. Tu vas me demander tes conneries là. Que c'était quoi le 36-15? Le 36-15, c'était un truc de quoi? Faut demander ça à ton patron, Zoumana Bagayoko. Il a fait, ah bon, tu as coupé, on dit non, ton patron, bâtard.